Yo tout le monde les gars, c'est Nizia, j'espère que vous allez bien, moi ça super les gars. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars sur Clash Royale. Donc aujourd'hui comme vous voyez à l'écran, je suis à Arène 9. Donc tout simplement j'ai un coffre épique et un coffre magique. Donc on va se les ouvrir les gars dans cette petite vidéo. Donc on va commencer avec le coffre gratuit. Je pense que je vais rien avoir dedans, mais bon c'est pas bien grave, faut quand même l'ouvrir. Donc voilà, y'a rien dedans, c'est pas bien grave. Donc là les gars, j'ai un coffre épique et un coffre magique, on va se les ouvrir. Donc tout simplement en fait je suis à Arène 9 et niveau 9, et je galère vraiment à arriver à Arène 9. Donc voilà, je joue avec ce deck en ce moment. Voilà, j'interagis plutôt entre 2-3 decks. Donc voilà, et je galère vraiment à arriver à Arène 9. Et là vu que je suis à Arène 9, je vais ouvrir le coffre épique ainsi que le coffre magique. Donc on va se les ouvrir tout de suite les gars. J'espère avoir de bonnes choses. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas fait les gars, ça me ferait super plaisir. Donc on va partir tout de suite avec le coffre magique. Voilà, j'espère avoir vraiment de la légendaire surtout, et avoir aussi le bourreau. Franchement ça me ferait super plaisir, pourquoi pas aussi avoir une petite légendaire. Ça serait pas mal, ça me ferait vraiment plaisir. Donc là le bélier de combat bien évidemment. Donc là on peut, non pas d'épique les gars, là ce sera une petite épique. Voilà, ça sera pas malheureusement une légendaire, mais bon c'est pas bien grave. On a toujours pas eu le bourreau, j'espère vraiment l'avoir dans le coffre épique, sinon c'est un peu le malaise. J'espère vraiment l'avoir là dedans Ok, donc clonage, un poison, 8 boulistes et 9 géants squelettes. Oh putain de la merde. Ouais, j'ai vraiment eu des choses là vraiment mauvaises. Par contre je vais vraiment me dégoûter les gars, j'ai pas eu de bonnes choses clairement là. Donc j'ai pas eu vraiment de bonnes choses. Donc on va partir les gars avec ce deck en attaque, on va voir ce que ça va donner. Voilà, franchement ça va être vraiment chaud pour moi de rester en arène 9. Donc on va tester quand même, pourquoi pas. Donc du coup donc on a le boulist, on a le clonage. Donc apparemment j'avais pas le clonage, mais de toute façon moi je joue pas clonage, j'aime pas du tout. Donc boulist. Donc on va partir les gars avec ce deck, voilà. Donc on va essayer de rester un peu arène 9, même si ça va être très 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 dur je pense. Ouais, on tombe que contre de level 10, ils ont tous le bourreau et tout, ils nous mettent vraiment cher. Malheureusement moi j'ai pas le bourreau encore, vu que je viens juste d'arriver arène 9. Et pour moi je pense que ça va être vraiment très très dur de rester dans cette arène 9 avec ce deck-ci. Il faut vraiment que j'ai le bourreau pour pouvoir tout simplement avoir le bourreau et tout ça, pour que je puisse arriver tranquillement à l'arène 9, voilà, et rester longtemps. Là ça va être très très dur parce que du coup mes esprits de feu ils risquent pas de one shot son boulist parce qu'il est pas assez haut. Donc c'est vraiment chiant. Je pense que je vais prendre vraiment cher cette attaque, mais bon c'est pas bien grave. Donc là il a mis que des troupes terrestres, il a pas mis de troupes aériennes. Donc moi je vais en profiter pour mettre des troupes un peu aériennes et pouvoir défendre tout ça. Donc le boulist qui va tomber ainsi que le géant, voilà c'est parfait. Une petite contre-attaque là qui peut se produire je pense. Ok, là il a mis le sorcier, sorcier level 7, c'est vraiment très très chaud les gars, clairement là. Sorcier level 7, je peux rien faire. Il va vraiment me mettre très très cher, mais bon, c'est pas mais grave. Allez, deux petits coups de... Trois petits coups de mousquetaire, c'est assez bien. On va partir avec le golem. On va essayer de gagner, franchement, ça me ferait plaisir de gagner là. Mais bon, ça va être vraiment chaud, surtout que j'ai pas eu la nouvelle carte. Je suis vraiment dégoûté, je pensais vraiment l'avoir. Puis en fait, au final, non, j'ai pas le bourreau. Bon, c'est pas bien grave. Donc là, on va préparer l'électrocution si jamais il met armée de squelette. Ok, il décide de mettre une boule de feu. Ok, il va mettre ça. Donc on va zap tout ça quand même. Voilà. Bon, le zap qui sert un peu à rien là. Je suis vraiment dégoûté. J'ai fait vraiment le con. Je voulais zap. Mais bon, ça sert vraiment à rien de toute façon. Là, on va partir sur une fournaise, je pense. Ouais, on va partir sur une fournaise comme ça. Et un sorcier de glace. Je pense que ça peut être pas mal comme ça. Alors là, ça sert, serait bien qu'elle tombe. Ok, donc la sorcière qui focus, me sorcier, du coup on va détruire la sorcière. Le boulis qui va être géré normalement ici. Ouais voilà c'est parfait, il va être vraiment géré. Tranquille, sans prise de tête. On va essayer de gagner les gars, c'est vraiment très très chaud. Pour l'instant on est plutôt bien parti. Après ces cartes elles sont plus élevées que les miennes, donc c'est vraiment très très chaud ça. On va partir avec une mousquetaire ici. On va voir ce que ça va donner. On va partir avec un golem pour tank, voilà c'est parfait. Et les archers. Voilà, c'est parfait comme ça. On va partir avec un sorcier de glace derrière. On va préparer l'électrocution, mais je crois qu'il joue pas à armée de squelette. Donc ça sert pas à grand chose. Ok, il met la boule de feu encore une fois. Ça c'est vraiment chiant. On va partir avec une mousquetaire. Faut vraiment attaquer, faut vraiment en profiter là. Allez, tue-moi ce sorcier. Ouais, ça va être chaud là. Par contre, il contre-attaque de fou du coup. Il a pas mal de troupes. Allez, allez. Ok, bouliste, on va mettre le golem. Ah la sorcière qui focus pas. Ah putain là on va prendre cher. On va prendre cher, la tour qui va tomber. Ah je suis dégoûté. Non la tour qui tombe pas, ça va être vraiment chaud je pense. Ça va être chaud. Et là je joue boule de feu en plus, je me rappelle. Ouais t'as envie de vite. Oh putain. Vite vite vite. Allez allez. 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 Oui. La victoire, la victoire les gars, ça fait plaisir, vraiment très très chaud. La victoire contre un level 10, ça... Oh le coffre magique, super coffre magique, super coffre magique.
Waouh! Mais j'ai que de la chance en vidéo! C'est mon premier super coffre magique depuis que j'ai créé mon compte! Non! À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai un coffre! Oh le truc de taré! Coffre, super coffre magique! Super coffre magique! 21 épiques, 126 rares! 4000 pièces, 630 cartes. Oh là là, je suis trop content. Je sais pas si on refait une attaque. Non les gars, on va s'arrêter là. C'est plutôt bien là ce qu'on a fait. Je vais pas tout gâcher. Je vais pas faire une attaque pour perdre. Donc on va rester là. Donc franchement, résumé, deux coffres où j'ai rien eu. C'est un peu le malaise. On gagne comme aller entre level 10. C'était vraiment très très chaud. Plus un coffre super magique. Donc ça fait vraiment super plaisir les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si c'est pas fait. En tout cas, c'était Nesia. Allez, salut tout le monde.